Allez, on va faire un petit tour à la plage de Trudeau. Qu'est-ce que t'as répondu ? Plage de Trudeau, disais-je, île de la Réunion. Ça commence plus ou moins comme ça là-bas. Et en haut, c'est comme ça. À la haute plage, disais-je. Alors là, il y a un petit restaurant, mais on est le mardi 8 septembre 2015. C'est un peu calme. Il est vers midi, hein, midi. Donc, je suis venu. Là, les ombres sont très, très petites. Et donc, nous, on va aller commencer par là-bas, le bout de la plage. Et on va se rapprocher du bout là-bas. On va commencer la vidéo comme ça. Elle a déjà commencé, mais ça fait rien. Là-bas, le soleil est haut, mais nous, on est au ras. Pas des pâquerettes, mais même dessous les racines. Voilà l'ombre du fil à eau dans le lagon. Et nous, on va toujours par là-bas. Alors, il y a une plage interdite aux camarades humains. Je suis arrivé à l'adresse de mon bungalow, mais j'ai comme tiré. Ouais. On est presque arrivé à l'endroit où je veux aller, mais j'ai vu un truc qui me plaît. Je vais aller voir. Donc c'est la plage. Là il y a une sorte de ravine à sec. Et comme souvent, il y a un graffiti que je vais voir de plus près. Voilà la ravine au loin. Et il y a d'autres graffitis. Voilà la ravine. On va pas aller beaucoup plus loin, mais on va faire juste un aller-retour sur les murs de la ravine qui continue là-bas. Et on n'a pas que ça à faire non plus. Hein. Allez, nous, on retourne ici, dans le lagon. Elle a quelque chose d'une déesse indienne. Et aussi quelque chose d'un poisson. La plage de sable se continue par des rochers. Nous n'irons pas très loin, mais on va avancer un peu. Voilà, la vraie plage se continuera par ici. On ira par là-bas. Et en attendant, on va par ici. Voilà, en fait, ça va presque suffire. Je suis à l'aplomb de cette sorte de restaurant en bord de l'océan, de lagon. Et voilà le lagon là-bas qui gronde un petit peu. Les vagues qui se cassent sur la barrière de corail. Pour nous, on va revenir à nos moutons. La mer et ses blancs moutons. Et on va donc se réenfiler la plage. Et c'est là qu'aura dû commencer la vidéo. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Continue. Je vois des abeilles dans le coin. Allez, andiamo. On se l'enfile dans la longueur et les pieds dans le lagon. Par ici, on accède donc à la plage en se garant plus haut. Et on peut descendre comme la dame ici. Mais le gros des troupes se trouve par là-bas. Voilà, c'est encore le coin du basalte et l'arrivée du sable. Là, il y a les graines de fil à eau qui sont prises dans l'eau et qui
sont balayés par la petite vague. Allez, on va aller voir un peu les rochers par ici. On va s'avancer dans la Lolo. Il eût été mieux si j'eus eu un zoom, mais j'ai pas de zoom, donc je me rapproche des choses. En fait, j'ai un zoom, mais il est archaïque. Et... on va faire mort à Venise. Non, mort à Trudeau. Je vais sauver la dame du chien-chien. Je suis le sauveur. Bon, j'ai assez vu les rochers, là. Je vais me promener sur le spiaggia. On va quand même regarder de l'autre côté. C'est la dernière fois. Hein. Là-bas, c'est Saint-Leu, le sud. Saint-Pierre derrière. Ça, ce sont des nuages. Tant qu'à filmer du rocher immergé, allons-y franchement. J'ai l'impression qu'il y en a qui se foutent de ma gueule là-bas, mais ils ont bien raison. Moi, ça me fait rire aussi. Alors voilà mon bungalow on the beach. Ça, ce sont des travailleurs qui grignotent puisqu'il est midi. Allons là-bas. Il y a un poisson, il est peut-être pas trop visible, mais il y a un poisson. Ça, c'est le reflet du soleil dans l'eau. Ouais, il y a plusieurs poissons là-bas. Allez, je suis la ligne des vagues. Allez, on va se rapprocher de l'humanité bronzante. Ceux qui aiment se mettre à l'abri, il y a le fil à eau. Récapitulation. Et à la spiaggia. Le lagon et son calme absolu. Et ses sirènes. Tiens, la Côte d'Azur, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, il est midi et quelques, donc c'est compréhensible qu'il n'y ait pas trop de monde sur les transats. Il y en a un tapé, hein.
Allons voir si la rose Very quiet indeed in veritatis, Anitas. Vue du lagon. Un banc de poissons. On continue, il n'y a pas beaucoup de monde là. Hein. Ils sont. Dans la ravine. Petite brise, mais pas trop marquée quand même. Il y en a qui ont chanté Paname, mais moi je chanterai Paddle, Paddle, Paddle. Trop de monde, je sais pas où me mettre. Un autre banc de poiscailles. Quand t'es dans le lagon. Depuis si longtemps, là, là, là. La solitude du lagon. On vient quand même de là-bas, hein. Là-bas, il y a la poste secours de la Saline. On va peut-être aller jusque-là. Ça sera tout, hein. Il y en a qui habitent en haute plage ici. On pourrait se rapprocher des cases là, mais on va pas le faire. En tout cas, il y a quelques maisons là qui est dans les hauts. Dans les hauts de la plage. Du poste de secours, c'est le but de cette vidéo. C'est un sable adapté à la bicyclette, très dur. Je viendrai en bicyclette. En haute plage, on peut accéder à la route en passant à travers les maisons là. Est-ce qu'on peut appeler des coins tranquilles quand même, hein? Et l'autre côté n'est pas en reste non plus, hein. Le chemin de fer pour aller dans le lagon. Il y a un arrêt là-bas. On aurait pu aller plus loin, mais en fait, on va se contenter voilà, du poste de secours de la Saline. Ils n'ont pas trop de travail là en ce moment. Car reconnaître que les plages sont plus ou moins vides.
fait, la zone de bain, c'est plutôt ici et c'est plus les scolaires. Hein. Alors nous, on est venu de là. Et on n'ira pas là-bas. Donc les Aminches, à la revoyure, see you soon, dans la lagune.